Les principautés, c'est quoi? Si nous lisons dans Éphésiens chapitre 6, verset 12, l'apôtre Paul dit ceci. « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde des ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. » Donc nous avons à combattre contre les puissances des ténèbres, les puissances sataniques. Et il y en a qui sont dans les lieux célestes, comme nous venons de le lire dans Éphésiens chapitre 6, verset 12. Il y en a qui sont dans les abîmes, il y en a qui sont dans les eaux, il y en a qui sont dans les montagnes, il y en a qui sont dans le séjour des morts, il y en a qui sont dans les forêts sacrées, ces endroits où on adore le diable, qu'on peut appeler le trône du diable, comme la Bible dit dans l'Apocalypse. Donc, quand tu engages une vie de prière, qui permet à l'Église de remporter la victoire sur ces esprits, de les renverser, c'est-à-dire de les faire perdre leur position à partir de laquelle ils dominent sur les individus, c'est ça qu'on appelle renverser les principautés. La croisade du renversement des principautés personnelles et familiales est un don de Dieu. On y va avec les idoles déracinées. Je renverse mes idoles avant d'aller à Tigre. Comment que vous voyez, le Seigneur m'a délivré de l'amour du monde. J'étais une artiste du coupé décalé. Je faisais du coupé décalé. J'étais ancrée dans le péché, dans l'alcool, dans la cigarette, dans la drogue. Mais quand j'ai reçu Jésus, quand j'ai reçu réellement qui était Jésus, le Fils de Dieu, ma vie a été transformée. Aujourd'hui, moi qui étais alcoolique, moi qui fumais la cigarette, la drogue, Jésus m'a délivré authentiquement. Frère, je suis un témoignage vivant de Dieu que Jésus peut délivrer du péché. Je vous invite massivement à venir pour la croisade du renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa. Frère, venez, venez, venez. Venez prendre vos bénédictions à Tiekwa. Je vous invite. Il a fait pour moi, il peut le faire pour vous. Que tu sois d'Europe, que tu sois de l'Océanie, d'Asie, de l'Afrique, d'Amérique. Nous t'invitons à venir participer à notre grande croisade du renversement des principautés personnelles et familiales à Tiekwa, qui se tiendra du 1er juillet au 9 août 2024. Et il y aura la manifestation de la puissance de Dieu. Et il y aura des guérisons et les démons seront chassés. Je lance cet appel aux parents, qu'aucun parent ne laisse son enfant à la maison sous prétexte qu'il n'a pas le transport pour payer le déplacement de l'enfant, qu'il paye. Et pour que nous tous, père, mère, enfants, nous soyons délivrés pour la cause du Seigneur Jésus, pour que les desseins du Seigneur Jésus qu'il a planifié pour nous et nos enfants s'accomplissent dans cette nation. Les petits-enfants, venez acclamer Jésus-Christ. Parce que Jésus vous aime. Because Jesus loves you. Jésus vous aime. Jesus loves you. C'est ma croisade, c'est ta croisade, c'est la croisade pour la délivrance de nos familles. Tu es invité à Tiekwa le 1er juillet. You are invited in Tiekwa the 1st of July. Une invitation spéciale. A special invitation. Le premier jour. The first day. Tout le monde doit être là. Everybody should. Dieu va descendre. Que rien ne t'empêche d'être là-bas. Let nothing prevent you from being over there. Le soleil, la pluie, ça c'est sun, rain, this is small matters.
Certains ont déjà inventé la formule. Ils ont construit les baraques. Some have already invented the formula. They have built houses. Pour contourner l'obstacle de l'agent de transport. To turn beyond the obstacle of lorry face. Ils vont vivre là-bas pendant 40 jours. They will live même plus. Over there during 40 days or more. Pour ceux qui n'ont jamais été là-bas. For those who have never been there. La nuit. In the night. Les frères sont en prière. Brothers are praying. Ils constituent des groupes. They make groups. Eux-mêmes. Themselves. Selon les fardeaux. According to the burdens. Certains se regroupent en famille. Some gathered in families. Pour prier et libérer leur famille. To pray and to release the families. Il y a des démons qui se manifestent la nuit. There are demons who show up. Ils sont chassés. They are casted out. Donc il y a là-bas puissance 24 heures sur 24. So there is over there power 24 hours upon 24 hours. Offrande d'acclamation à Jésus-Christ. Clap for Jesus Christ. Il faut que tu y sois. Rendez-vous à Atiekwa du 1er juillet au 9 août 2024 pour la 16e édition de la croisade pour le renversement des principautés personnelles et familiales.